Par hasard, notre espèce a peut-être acquis des pouvoirs secondaires ne servant à rien, et la pratique du dessin serait donc une absurdité. Je n'en crois rien. En réalité, la nature nous a pourvus d'une aptitude à l'exercice des arts pour nous donner les moyens d'échanger avec elle, car son langage, c'est la poésie même, cette quête que nous appelons la beauté. Adolescent, mes parents m'avaient offert une série d'ouvrages richement illustrés sur l'histoire de l'art. Souhaitant commencer ma découverte par le début, le premier volume choisi pour sa lecture traitait de l'art pariétal. Mais grande déception, il était question d'une histoire de l'archéologie ne répondant pas à mon interrogation initiale. Démuni de ce premier éclairage, il me semblait impossible d'aborder les autres périodes car on m'avait dérobé la jeunesse de l'aventure de l'art. Pour me libérer de ce petit blocage, une intrépide obstination m'a poussé à entrouvrir la porte de la nuit des temps, imaginant qu'il m'était possible de descendre en moi-même afin de traverser en marche arrière l'épaisseur des générations. Toutes les images entrevues, ici et là, m'ont conduit depuis longtemps à des rêveries interminables. Cette démarche est le support d'un imaginaire au service exclusif de ma production peinte et n'a aucune autre ambition. J'utilise les textures d'un paysage sauvage, des silhouettes. Je suis juste rentré dans un monde de songes, rentré dans l'écoute de mes voyages. Mon esprit orphelin, animé par un amour filial, est parti à la rencontre de l'homme lointain, comme lui-même vénérait ses ancêtres, à la recherche de leur visage, de leur ombre. J'ai écouté le son de leur voix, voulant vivre leurs émotions dans le berceau de l'esprit humain naissant, guettant l'entrée du pont qui mène vers le mystère de nos origines, avec un cœur épris et partisan de l'aventure humaine. J'ai bien cru entendre, en songe, le cri de cet animal qui, un jour, en venant de vivre la séparation d'avec un être aimé, avait du même coup éprouvé la passion et la conscience de la mort. La conscience de la mort et la passion, quoi de plus humain ?